Le modèle européen est un modèle unique au monde et c'est le plus beau des modèles qu'on ait pu construire dans l'histoire moderne. Pourquoi c'est le plus beau des modèles? C'est le plus beau des modèles parce qu'on a su faire, entre Européens, tirant les leçons de la guerre et des guerres civiles que nous avons vécues pendant des siècles, nous avons su bâtir, entre États européens, un système de coopération entre les États. C'est un miracle de l'esprit européen qui est fait de l'esprit des nations si différentes qu'elles ont un creuset commun, que d'avoir su créer sur les bases mêmes qui ont fait les guerres, c'est-à-dire notamment la puissance industrielle, le charbon et l'acier, notamment entre la France et l'Allemagne, que d'avoir su créer sur ces bases de la guerre les bases d'un avenir de paix. Créer l'Europe, ça a été tirer les leçons de l'histoire. Faire vivre l'Europe et approfondir notre Union européenne, c'est bien sûr tenir compte de ce qui s'est passé, mais c'est surtout se projeter dans l'avenir, c'est construire notre avenir. Comme le disait Jean-Marie Cavada tout à l'heure, si nous ne nous occupons pas de l'Europe, l'Europe de toute façon nous s'occupera de nous, politiquement parlant, socialement parlant, économiquement parlant. Il faut savoir que presque 70% des lois françaises découlent directement de directives européennes. Donc c'est le moment de prendre conscience de cette importance-là et des enjeux qui nous attendent.